Bon, bah on a l'air prêt. Allez. Allons-y, allons-y. Bonsoir à tous. Il est 21h02. Ah, désolé, il a fallu que je fasse le plein à la dernière minute. Nous sommes le vendredi 19 avril. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va, à part que. Je fais une semaine de mes vacances et la gorge commence à me repiquer, ça me. Bon, voilà. On va dire que ça me contrarie un petit peu. Ce soir, comme j'ai indiqué, on va refaire un petit peu d'histoire informatique. Parce que j'ai refait les calculs et on va parler de choses que j'ai découvert moi il y a. Quatre ans? Ouais, ça fait mal. Et que j'ai utilisé pendant très très longtemps. On va parler de Firewall applicatif, donc de pare-feu applicatif. Et pourquoi on précise que c'est applicatif? Je vais l'expliquer, mais. Et donc on va se concentrer sur un outil qui manquait cruellement sous Linux en fait jusque-là. On a l'habitude de dire que voilà, Linux c'est le top de la sécu, quasiment toutes les box internet en France tournent avec un noyau Linux. Donc c'est pas faux, hein, le noyau Linux il est quand même relativement solide, mais
Voilà, il y a des points qui manquent et quand on est un humain, un utilisateur humain, on s'attend à quelque chose de simple, enfin de simple, ou en tout cas de logique pour nous en tant qu'humain, et qui ne l'est pas forcément en informatique, et donc du coup, les pare-feux applicatifs viennent ajouter cet aspect humain à la sécurité informatique de nos postes de travail. Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Avant de commencer, j'ai découvert que quand j'ai configuré le dashboard tout à l'heure, j'ai un nouveau follower, Kada. Donc bienvenue à toi. Espérons que je puisse te remercier de ton follow en direct. Si tu as l'occasion de suivre en live. Donc, parfait applicatif. On va remonter dans le passé. On va remonter dans le passé, on va parler de très loin. Donc j'avais dit 24 ans. 24 ans à l'époque, je touchais à notre premier PC familial sous Windows 98. Donc on est à Windows 11 actuellement, après avoir eu du Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Donc on est avant Windows XP, c'est Windows 80, avant Millennium. C'est vrai qu'il y a eu l'horreur Millennium. Donc Windows 98, et à l'époque, alors le fait est qu'on n'avait pas non plus des connexions permanentes à Internet. Et le réseau, c'est Open Bar. Il n'y a pas de contrôle entrant, il n'y a pas de contrôle sortant. C'est pas prévu pour, parce qu'en dessous, c'est MS-DOS, c'est tellement rudimentaire qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire. En tout cas, pas nativement. Et il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui arrivera, alors, en premier lieu, dans une forme rudimentaire dans Windows XP, et une vraie gestion de pare-feu applicative a été introduite en 2004 seulement. Avec Windows XP Service Pack 2. Et donc, à l'époque, pour remplacer cette fonction qui n'existait pas encore, moi j'avais découvert un outil qui s'appelait Zone Alarme. Donc là, à mon avis, je crois que j'ai potentiellement réveillé quelques mauvais souvenirs. Ou bons souvenirs, hein, parce qu'honnêtement, ça permettait de prendre conscience de pas mal de choses. En termes de sécurité réseau, le PC est encore freeze, quel bonheur. C'est bon, on est revenu. Ah, on est revenu, mais cette fois j'ai perdu. D'accord, j'ai perdu l'interface d'OBS. C'est un bonheur. Est-ce que techniquement ça marche encore? Si je fais ça. Ok, donc j'ai plus aucun aperçu dans la fenêtre, mais ça fonctionne encore et a priori vous avez encore le son. Bon. C'est génial. Alors non, de toute façon, c'est le bureau que je voulais mettre, donc j'ai raté. Hop, ouais, c'est ça, donc on recommence. Quel enfer. Je peux pas. Je peux pas. Il n'y a pas un truc pour désactiver l'aperçu? J'enlève le mode studio. Je suis désolé, hein, il a décidé de me claquer une connerie comme ça en plein milieu. Normalement, on a un truc pour activer l'aperçu. Ah oui, non, il est vraiment pété. Ok. Ah, quel enfer. Bon, c'est pas grave. A priori, ça diffuse toujours, donc je vais pas m'embêter. Donc je disais, voilà. Donc ce que ça faisait, Zone Alarme, c'est que, contrairement à avant où c'était Open Bar en entrée et en sortie, ça vous faisait à la fois un pare-feu entrant, donc ça bloquait les connexions qui n'étaient pas autorisées, où par défaut on n'autorisait rien, et il fallait autoriser chaque programme. Mais ça le faisait aussi
en sortie, c'est-à-dire qu'un logiciel qui n'était pas connu n'avait pas le droit de faire de connexion vers l'extérieur par défaut, et ça vous posait la question de savoir si vous autorisiez la connexion. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà eu avec certains jeux, notamment multijoueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de certains jeux, vous êtes obligé d'avoir des connexions entrantes et sortantes, et si Windows ne connaît pas le jeu, il va vous poser une première fois la question, est-ce que vous autorisez le jeu à faire des connexions réseau? Et donc vous devez autoriser ou pas. Et donc à l'époque où ça n'existait pas encore dans Windows, vous avez cette application, Zone Alarm. Alors là, c'est une vieille capture d'écran de la version pro. Mais la version gratuite fonctionnait à peu près pareil. Il y avait des choses en plus. Moi, je l'ai connu à l'époque où il n'y avait pas encore tout ce qui était antivirus, anti-spyware, etc. C'était vraiment juste de la partie firewall. Et on avait un système de log qui était avec, qui permettait de montrer à quel point il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées. Donc voilà, ça, c'était l'origine des temps. Donc j'espère que voilà, si vous avez eu l'occasion de connaître ce logiciel. Enfin, moi, je sais qu'il m'avait causé, il m'avait rendu de grands services, mais il m'avait causé aussi pas mal de problèmes avec, notamment avec le réseau local, c'est-à-dire qu'il bloquait tellement de choses qu'après je pouvais plus contacter mes autres PC, enfin les autres PC à la maison, donc c'était un peu chiant. Et on va pas se mentir, après l'intégration dans Windows XP, ça a été, enfin, mine de rien, au final, moi j'ai commencé, parce que j'ai continué à l'utiliser après quand j'étais sous Windows 2000. Puisqu'au final, Windows XP, je m'en suis servi très très tard après le service Pack 3. Alors de mémoire, le service Pack 3 de Windows XP, c'est sorti quand? Ouais, tous les drivers, on va voir de quand ça date. 2008. Ah oui, donc c'était vraiment un an avant. Oh, j'ai dû potentiellement l'utiliser en mode Service Pack 2 aussi. Si je dis pas de bêtises, ouais, parce que j'ai dû tourner un an et demi, 2 ans avec XP avant de passer sous Windows. Parce que je suis passé sous Windows 7 avec la première bêta publique. Donc voilà, j'ai pas fait dans la dentelle. Donc voilà. Et du coup, Zone Alarm, moi, après, est tombé dans l'oubli, puisque Microsoft, le système de Microsoft faisait très bien le boulot. Fast forward, quelques années plus tard, avec certains collègues, je découvre un logiciel sous macOS qui s'appelle Little Snitch. Et Little Snitch, bah, en fait, il fait la même chose, c'est-à-dire que. Quand il y a une application qu'il ne connaît pas, veut contacter l'extérieur ou autoriser les autres applications à la contacter de l'extérieur, il vous demande l'autorisation ou pas, et vous pouvez autoriser en permanence, etc. Alors, techniquement, il est payant. Et après, bon, bah, il offre aussi quelques capacités supplémentaires où il vous montre à peu près d'où viennent les connexions qui essaieraient de rentrer sur votre poste ou que vous faites à l'extérieur. Voilà. C'est intéressant. Généralement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des statistiques sur les processus que vous utilisez, de découvrir des fois que vous avez des processus dans lesquels vous n'avez pas forcément conscience et qui passent leur temps à essayer de contacter l'extérieur. Ça peut être assez pénible. C'est là où vous allez découvrir que vous avez énormément de logiciels, même soi-disant. Inoffensif et qui embarque de la télémétrie ou du tracking, ce genre de choses. Donc pas toujours sympatoche. Donc ça reste intéressant pour découvrir. Et du coup, bah, le jour où vous êtes infecté par quelque chose qui n'est pas censé avoir l'autorisation, et bah, ce genre de logiciel vous dira celui-là je le connais pas, est-ce que vous lui autorisez à contacter l'extérieur? Et ouais, tout va bien. Et du coup. Et ben dans le monde de Linuxien, et ben ce genre de logiciel n'existe pas, enfin, n'existait pas
et pour plein de raisons ne pouvait pas exister, puisque en fait il n'y avait pas les briques bas niveau nécessaires pour pouvoir arriver à ce niveau. Alors techniquement c'est très complexe, hein, on va pas se mentir, d'un point de vue système pur et dur, c'est très complexe de faire ça. C'est pas donné, c'est pour ça que la plupart du temps c'est pas des logiciels gratos. Et sous Linux, par défaut, on avait juste le truc classique où c'est que du pare-feu réseau. Donc c'est-à-dire que vous autorisez ou pas des ports en entrée ou en sortie, des adresses IP en entrée ou en sortie. Et ça s'arrêtait là, il n'y avait aucune notion d'applicatif. Il n'était pas question. Et j'avais vu apparaître, peu de temps après ma découverte de Little Snitch, un projet de port, enfin un projet d'équivalent open source pour le monde linuxien, qui s'appelle OpenSnitch. Au passage, pour la grosse blague, j'ai découvert que Zone Alarm existait encore. Alors, ils font énormément de choses. Ils ont été rachetés par Checkpoint, a priori, qui est une grosse entreprise de produits de sécurité informatique. Et je savais même pas qu'ils existaient encore. Bon, par contre, voilà. Ah non, 64 bits quand même, ok. Bon, honnêtement, hein, la plupart du temps, si vous n'avez pas envie d'avoir des trucs très compliqués, les outils intégrés à Windows suffisent largement. Donc, arrive OpenSnitch. À l'époque, quand je l'ai découvert, ça venait vraiment d'apparaître. On était en 0 point quelque chose. Je me suis dit, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que ça demandait des éléments qui étaient particulièrement récents. Dans les composants système, jusqu'au noyau, parce que là on parle de gestion des processus, donc c'est vraiment au niveau du noyau. Et je me suis dit, bon, on va laisser maturer le truc et on reviendra plus tard pour voir ce que ça donne. Et je sais plus à quelle occasion, je suis retombé devant et j'ai vu qu'il avait bien bougé. Et je me suis dit que c'était l'occasion de commencer à regarder vraiment de plus près à quoi il ressemble pour qu'on lui mette. Et donc manifestement, vous voyez, on peut avoir des statistiques sur les applications, le réseau, etc. qui sont exécutées, et on a la demande qui vous dit coucou, le processus essaye de se connecter à tel domaine sur tel port, machin, etc. Et vous pouvez choisir de l'autoriser ou de le bloquer. Voilà. Officiellement. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression que y ait de dépôt un applicatif. Enfin, ça c'est ce qui rend un peu le. Ce qui rend un petit peu l'outil dommage. On va quand même l'installer, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est que du coup pour la maintenance, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles versions qui sortent, pour les installer, il faut aller récupérer les packages à la main, un peu comme sous Windows, hein, paradoxalement. Mais du coup. Et donc il y a eu la dernière release date du mois de février. Donc je pense que. Alors on va commencer par s'installer un environnement Linux. Parce que pour plein de raisons, je vais pas vous partager le mien directement. Ah. D'accord. Non, c'est mon PC qui était freeze ou. Non, j'ai l'impression que c'est des. Ok, non, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a des. C'est quand même pas d'une stabilité folle, bon. Ouais, je sais pas, c'est quand même bon. J'espère que ça va tenir ça va tenir tout le live. Ça m'emmerde un petit peu cette histoire. Donc on va télécharger, donc du coup c'est le point deb qu'il faut qu'on récupère.
Voilà, j'ai l'impression que... Alors, en fait, c'est quoi? C'est le... Ok, le 1.6.5.1, c'est juste pour l'interface, et du coup, le 1.6.5, il est là. Donc, il faudra récupérer celui-là, et... Ok, bon. De toute façon, on n'y est pas encore. J'ai... Ah oui, alors, pour info, vite fait, vous voyez, sous Windows 11, alors, on est encore sur une console de gestion à la con. Mais vous voyez, on a les... Comment? On a le même genre de d'outils hein, qui vous dit voilà, tel composant, tel programme, etc. Autorisé. Et donc ça vous dit que... Alors moi, en l'occurrence, les connexions sortantes sont pas bloquées. Je sais pas pourquoi. Mais les connexions entrantes sont bloquées. Donc ça m'emmerde un petit peu cette histoire. Mais vous voyez, donc si on voulait, on pourrait modifier le pare-feu. Alors je sais plus où on va là-dessus, mais... Oui, vous voyez, connexion sortante, on pourrait bloquer. Voilà, par contre, si je fais ça, c'est Bagdad, parce qu'il faut que j'autorise tous les logiciels un par un, et là, c'est infernal. Bon, bref. On va s'installer un Linux. Pour ça, la grosse blague, c'est que je me suis dépêché d'installer... Je me suis dépêché d'installer VirtualBox tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas installé encore depuis... depuis que j'ai installé le PC. Donc du coup, on ne s'embête pas. C'est une Ubuntu. Le folder dans lequel on va mettre, oui. L'ISO, on va aller... J'ai récupéré Ubuntu. Il a détecté que c'était Ubuntu, donc j'ai pas besoin de resélectionner. Paf. Ensuite, on va mettre quoi? On peut se permettre de... Ok, il nous a mis quoi? Ouais, on va le laisser comme ça. Domaine. Domain name, non, on s'en fout. Bon, on va mettre ça quand même. Guest addition, on va le faire après l'installation. Parce que normalement, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de product key. On va lui coller deux CPU parce que vous voyez, hein, on peut monter jusqu'à 16, donc on s'en fout. La RAM, on est aussi particulièrement large, alors du coup on va lui mettre 8 Go. On est pas mal. Je vais pas mettre en EFI parce que ça va être la merde. Disque dur, on va lui coller un petit 32 Go. Je n'ai pas... Hop. Tac, tac, tac. Voilà, finish. Alors normalement il y a 2-3 autres trucs aussi. Échec. Alors du coup, là, il a gueulé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Conserver. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, non, mais hop, voilà. En fait, il est en... D'accord, il est en train de charger le truc. Putain. Bon, on va y arriver, hein. En fait, il m'a démarré la bécane, donc c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Salut Kenny! Comment ça va? Non, en vrai, si j'ai besoin de... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je peux pas l'éteindre. Alors, vous l'avez peut-être pas entendu. Alors, moi, ouais, j'ai eu le son de l'installation. On va s'occuper de couper tout ça. Non, mais vas-y, éteins la bécane parce que je voulais changer 2-3 trucs avant. Hop. Alors, système, ça c'est fait. Chipset, on va passer au récent. Système de pointage, on est sur de la souris. Non, le FI c'est trop la merde à configurer, on s'en fout. Ça, je vais faire ça.
Un processeur NX, accélération. Non, ça c'est par défaut. Hop, l'affichage au max. Serveur, on s'en fout. Enregistrement, on s'en fout. La carte graphique, je me souviens plus laquelle il faut mettre. Ouais, c'est celle-là, hein, je crois. Hop, on va activer l'accélération 3D. Ça a pas l'air de gueuler. Hop, le son. Voilà. Hop, on va virer, j'en ai pas besoin. Réseau, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Réseau, je voulais mettre accès par pont, par principe. L'accès par pont, alors pour ceux qui font pas beaucoup de virtualisation, ça permet de s'assurer qu'en fait, plutôt que de que d'avoir une IP privée à comment qui reste sur le la machine sur laquelle je enfin le l'ordi sur lequel je fais tourner la machine virtuelle, elle va avoir une IP de mon réseau local, ce qui va nous permettre de devoir de pouvoir éventuellement tenter 2-3 trucs. Quoiqu'à la base, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le contrôle des applis sortantes qui m'intéresse. Bon, alors du coup, maintenant que est-ce qu'il va repartir dans le bon sens? Mais alors par contre, comment on peut... Voilà, c'est ça. Oui, je sais. J'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser VirtualBox 7, donc ça fait un peu bizarre. Allez, normalement, je vais le faire. Ça me perturbe, l'OBS à côté où j'ai plus les aperçus, c'est quelque chose. Ah oui, donc du coup il est d'accord. Genre pose même pas la question, fait les. Ouais, comme j'ai coché les options pour le pour l'installation, du coup il est en train de me les faire, c'est ça? Ah ouais, en fait il génère un truc hybride, d'accord, ok. Je comprends mieux. Bon, bah, tant mieux, hein, le but du jeu. Le problème, c'est qu'il va me la faire en anglais, donc ça va être la galère. Quand je vais taper l'utilisateur et le mot de passe, ça va être quelque chose. Alors, le problème, c'est que vous, vous devez voir tout en tout petit, et je peux pas faire grand-chose pour l'instant. C'est pas évident. Allez. Pour du boulot de SSD, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça avance pas vite. Hein. Sur un véritable ordinateur, moi, ça m'est arrivé d'avoir des installations beaucoup plus rapides que ça. Hein. Là, je sais pas pourquoi il mouline autant.
Bonsoir Snax. J'espère que tu vas bien. Hop. J'espère que le sujet va t'intéresser. Bon, je pense pas, vu mon audience habituelle, normalement, les gens tombent pas sur moi par hasard. De quoi parle-t-on? Eh ben, en théorie, si on arrive au bout de l'installation d'Ubuntu, on va tester OpenSnitch, qui est un pare-feu applicatif qui est censé être l'équivalent de Little Snitch sous Mac. Qui permet donc de contrôler les applications qui veulent faire du réseau entrant ou sortant. Honnêtement, la plupart du temps, c'est sortant. Le plus intéressant, c'est le fait de dire est-ce qu'on autorise la sortie ou pas. Avant, il n'y avait pas ce qu'il fallait sous Linux pour le faire. Maintenant, ça commence à être mature. Donc ça vaut le coup de... Ça vaut le coup de l'avoir. Je l'avais déjà vu une première fois, on était dans les versions vraiment très initiales, 0.4, je crois. En 0.2, ça c'est quand j'ai découvert Firefox, il s'appelait même pas encore Firefox à l'époque. Ça rajeunit pas. Un peu au hasard. Français, anglais, Linux. D'accord. Ok. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Je parle beaucoup de Linux, mais je me limite pas à un seul sujet. Je me limite pas au poste de travail. Au départ, même, on a fait beaucoup de serveurs et Kubernetes en particulier. D'ailleurs, le programme de la semaine prochaine, ce sera un test sur du Kubernetes. Globalement, quand même. Mais la semaine dernière, on a tenté de l'IA générative avec mon PC sous AMD. Hein. Pour donner une idée du grand écart. Tu connais pas OpenSnitch? C'est jeune, hein. On va pas se mentir, hein, il y en a qui ont commencé 6 ans déjà. Oh, c'est plus si jeune que ça, mais du coup ça fait mal. Oh, le temps passe vite. Ok. Oh, mon Dieu. Après, voilà, pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi la licence. On est sur du GPL V3, pourtant, ça pourrait être relativement... il y a de grandes chances que sous des distributions rolling comme Arch Linux, ce soit facile à trouver. Mais typiquement... Oh, punaise, mais c'est pas vrai. Ça prend 4 plombes. Oh non, ça devrait être plus rapide que ça. C'est marrant, normalement on est censé avoir un petit truc, c'est peut-être parce qu'on est en mode unattended, entre guillemets, il faut 4 plombes. J'aurais dû l'installer avant le live, j'ai voulu faire le feignant et me le dire on va le faire, ça va aller, je le ferai directement, ce sera rapide et tout, et puis là ça prend 4 plombes, ça me saoule. Mais oui, donc a priori, voilà, pour l'instant, il n'est pas intégré aux distributions, il balance les releases sur GitHub. Ils font du Deb et du RPM, hein, donc c'est quelque chose qu'on peut installer aussi bien sur du Debian et dérivé que Fedora. Fedora, Rocky, Linux, etc. Après, il y a une documentation, donc peut-être qu'on peut faire quelque chose un peu... non, il n'y a pas plus que ça. Après, il y a une unit système D, ok, d'accord. Ok. Tac. Donc ça supporte les... D'accord, donc il faut des dépendances supplémentaires sur des Linux Mint un peu anciens. MX Linux, MX, je crois que c'est basé sur Debian pour le coup. Pareil, il faut installer des dépendances. PopOS, c'est basé sur Ubuntu. Alors manifestement... C'est un peu violent, il faut... Ubuntu 16.04, oh là là, oui, d'accord. Alors là, on est sur du 22.04.
Le 24 est censé sortir à la fin du mois. Pour l'instant, ils ont l'air encore à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. Ils nous disent que les paquets ont été testés à partir de la 1.4.0. Donc on a du Red Hat. Red Hat Super Hero égale à 7. Alors du coup, je sais pas pourquoi ils mettent CentOS 8.x, mais c'est pas grave. Ah oui, et du coup, c'est découpé en deux composants. C'est-à-dire qu'on a la partie démon, donc la partie service système. Et on a la partie interface graphique. Ok. Et on voit que ça a été testé sur plein de trucs. Ok. Je viens d'installer SimpleWall sous Windows. Alors, what is this? Oula. Ah, tac, tac, tac. Simple Tool to configure Windows Filtering Platform. Ouais, bah ça donne une interface qui est un peu moins austère que celle que je montrais tout à l'heure avec... comment? Avec le module de configuration de Windows. Mais ouais, c'est dingue. En fait, on se rend vraiment pas compte de tout ce qui transite et de la quantité de bruit réseau qu'on peut avoir en entrée comme en sortie. Alors, du coup... Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Où est-ce que je peux changer ça? Non, c'est sur le bonhomme. Non plus. Paramétrage Ubuntu en Xorg. On va mettre Xorg. On peut pas changer le clavier là, c'est ça? Il va pas vouloir. Non, alors toi, tu m'emmerdes pas. Non, je vais pas pouvoir. Bon, alors c'est pas grave. Normalement, ça va être comme ça. Parce que j'ai vous. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il se passe rien. Ok. Alors, non, pitié. Non, pitié. Alors, première chose que je vais aller faire. Où est-ce que ça va être? Apparence? Non, ça va pas être ça. Alors, si déjà on peut se mettre en dark, ça c'est pas grave. Région language, c'est ça. Manage install language. Ok, install. On va chercher French. Apply. Tu le vois bien, le bruit avec un ntopng. Ouais, mais tu vois, par exemple, ntopng, ça me rappelle quelque chose. Il me semble qu'on l'avait tenté à un moment donné avec Guillaume sur un serveur. C'est un truc en ligne de commande. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de graphique. C'est quelque chose aussi qui va se déclencher à la demande. C'est-à-dire que quand il va voir un nouveau programme, là, l'idée, c'est pas juste de vérifier, en fait. C'est pas juste de visualiser, de vérifier le bruit, c'est vraiment de contrôler. C'est-à-dire que quand il y a une application qu'il connaît pas, il est censé lui couper la chic jusqu'à ce qu'on donne l'autorisation. Il y a une web UI? D'accord. Ok, je me souviens plus, honnêtement. Ah non, je confonds avec... qu'est-ce que j'ai utilisé, moi? J'avais effectivement un truc en ligne de commande qui était en Python aussi. Alors, pas Gland 6, parce que c'était un truc dédié réseau. Merde, je me souviens plus. Bon, c'était peut-être pas du Python. Du coup, je suis censé avoir installé... Ok. La France. Maintenant, si je fais ça... French, select, restart la session, vas-y. Est-ce que du coup il m'a changé le clavier? Non, il m'a changé le clavier, putain. Quel enfer. Mmh.
Ah oui, d'accord. Oula, c'est... Bon, ça a beau... ça a bien plus évolué que ce que je pensais, alors, ce truc-là. Ok. Hop. Ouais, je vois ça, je vois ça. Alors après, c'est du... Ouais. Bon, par contre, c'est vraiment juste de la visualisation, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Ok, d'accord. Intéressant, intéressant. Bon, alors, vais-je y arriver avec mon installation de... Non, il m'avait déjà posé la question avant et... Ah, ça doit faire quelque chose, hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, je ne sais plus pourquoi. Terminé. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, vas-y, mets à jour les noms, on s'en bat les couilles. Ça parle d'intégration souris, on s'en fout aussi. Filaire connecté, donc normalement si je vais... Alors... Paramètres filaire, est-ce que je vois quelque chose? J'ai une IP en 4792 machin, j'ai une IPv6, parfait, tout va bien, je suis bien bridgé. Où est-ce que je vais retrouver... c'est où? Pays langue. Format, écran de connexion. Langue. Oh, putain. Toujours pas changé le clavier, ben non. Hop. Ça va, heureusement que j'ai laissé les caractères à la con, parce que franchement. France et France. Ensuite. Alors, ça va être où? Clavier. Ajouter. France et France. France et variante. Hop, truc de base. On va supprimer le clavier anglais. Utiliser la même source pour toutes les fenêtres. Parfait. J'ai pas un truc pour tester là tout de suite. Et dire, il y a un terminal. Ouais, c'est bon, cette fois c'est changé. T'es en QWERTY, t'as pas les accents. Mais je me suis pas... Je ne me suis pas offusqué de... Hop. Oh putain, c'est petit, hein, quand même. Hein. Y a pas un truc pour changer la... peu plus sympa je pense. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ouais, bon, de toute façon on va essayer de... Alors oui, si ce que je voulais faire c'était... Ah ouais. D'accord. Alors, non, je me suis relu, des fois sans les accents, les phrases sont pas super claires. Non, ça va, honnêtement, c'est pas ce que j'ai vu de pire en termes d'écriture, c'est pas très grave, tout va bien. Tu es en QWERTY, tu suis du... Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est cette diablerie? Non, je sais qu'il y en a certains qui préfèrent un clavier QWERTY. Or, soit parce qu'ils ont grandi avec, parce qu'ils sont vachement vieux comme moi avec... des ordinateurs qui viennent de pays qui parlent pas français, où tu es dans un pays, peut-être même sur un autre continent, non? Parce que dernièrement, j'ai eu des surprises avec des visiteurs d'outre-Atlantique.
Où là-bas, effectivement, les claviers sont en QWERTY. Qu'est-ce que je veux utiliser? Alors, du coup. Qu'est-ce que je voulais déjà? Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'étais parti faire? Oui. VirtualBox. VirtualBox, je voulais installer. Un problème, c'est que les guests, ils sont 6.1, fait chier. Guest utile, HWE, je crois que c'est ça. Parce que là, je suis en 6.5.0. Oh putain. Désolé, j'ai passé l'après-midi sur une machine virtuelle Red Hat et du coup. Alors, on est sur quoi? On n'est même pas sur le HWE. Donc on va pas installer l'HWE. Si, HWE, on est là. Alors. HWE header. Donc on va installer VirtualBox. La violence. Ah, le QWERTZ, ah oui, alors ça, mon Dieu. Toutes mes condoléances, comme on dit. Punaise. Pardon. Hop. Du coup, normalement, faut que je reboote pour que ce soit bien. J'ai envie que ce soit un peu plus grand. Heureusement que j'avais changé la langue, hein. Yes. Voilà ce que je voulais. Hop, un bon gros redimensionnement à la volée. Comme ça, on a les trucs plus grands. Au niveau interface, je vais essayer de toucher. Ah putain, j'ai pas le choix. C'est soit je vous mets en. Oh la vache. Non, non, c'est trop. Je peux pas. Si, fractionnaire. 150. Parfait. Hop. Conserver. Ça reste quand même gros, mais ce sera mieux pour vous. Zoom juste le shell. Non. Bah, alors déjà, je me souviens plus comment on fait sur GNOME parce que je m'en sers pas assez. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Alors par contre, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que ça marche? Normalement, c'est censé marcher. Oui, parfait. Hop, allez. Crac, crac. Ah, putain, c'est vrai. Hop. Oh, les installations par défaut. S'en passerait bien hein, quand même des fois. Hein. Alors. Clic. Télécharger. Et il paraît qu'il y a un bug d'interface. Donc on va retourner dans les releases. Et on va récupérer. Hop, le point deb. Voilà. Bon, alors, du coup. Je vais aller. On va le faire en terminal malgré tout. Genre, on n'a pas le choix. Hein. Je pense que c'est encore un peu trop. Un peu trop. Comment dire? Trop tôt pour tenter de le faire tout en interface. Alors par contre, ouais, hein, je comprends pas pourquoi il m'a pas passé en sudoer. Je pense que ça c'est lié à l'installation unattended que m'a fait VirtualBox. Pas grave, ça n'empêche pas de bosser, c'est pas pété. Hop.
Du coup, apt install slash opensnitch. Donc on va commencer par ça. Donc il nous dit qu'il a besoin d'installer en plus libnetfilter Q1 et ok, parfait, et ben vas-y, fais-le. Il a créé le service, là il est en train de chercher. Download is perform unsandbox as root file. Ouais. Could not be accessed by user underscore apt permission denied. Alors, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé du coup. Il l'a installé, il l'a pas installé, il a... C'est quoi ça? C'est normal. Oui, alors, peut-être, mais... Alors quoi, il aurait fallu que je prenne les fichiers... Oui, bah je pense, hein, mais... après... PKG Acquire Run. D'accord, bon, c'est pas grave. Il peut pas supprimer le deb. Mais en même temps, je lui demande pas de supprimer le deb. Bon. C'est pas grave. Hop. Alors lui, il est censé me faire normalement du coup. Ouais, voilà, il y a plein de paquets Python à installer. Du Qt 5 aussi, d'accord. Donc c'est mis Python Qt pour l'interface. Ok, ok. Donc là, il va gueuler la même, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, ok. Bon. Donc du coup, là, il est censé démarrer. Donc on va lancer l'interface, on va voir ce qui se dit. Oui, oui, bref, des messages comme ça. Dernièrement, c'est des messages noyaux où on m'a dit d'aller me faire. Enfin, où j'ai vu passer des trucs passer, des gros warnings bien dégueulasses, bien cryptiques, et en cherchant un petit peu, les mecs te disent oui, non, mais c'est bon, tout va bien, c'est normal. C'était des trucs sur de la CPI, donc des trucs sur la gestion de l'alimentation quand même, donc c'est pas des trucs. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un processus actif dans le terminal. Bah non. Ah si, parce que je suis passé en SU, machin. Ok. D'accord. Bon. Donc j'ai tenté... Il a pas voulu. Alors. Oula. Oula. Oh, ça va pas bien. Oula. Je sais pas ce qui se passe, mais... Bon, le service OpenSnitch fonctionne. Déjà. Mais pas l'interface. Est-ce qu'il faut que je reboote un truc à la con? Est-ce que... Je sais bien que on n'est pas sous Windows, mais bon, on parle d'Ubuntu quand même. On parle des plus gros suceurs de Microsoft de l'univers linuxien. Donc potentiellement, ça pourrait jouer. Je vais retourner voir cette histoire de... Accessibilité, non. Pays langue, gérer les langues installées, écran de connexion... Ah putain, ouais, il me l'a... Ok. D'accord, bon, j'ai des grosses lenteurs. J'attendais avant de dober sur Ubuntu. C'est... Attends, il y a tous les coups, il est en train de me gueuler. Merde. Déjà, je fais ça, et en plus... Non, on est bien, ouais. Alors le fait est que j'ai deux PC de boulot, j'ai le PC de ma boîte et le PC de l'entreprise chez laquelle je bosse en...
en prestation et comment? Alors le PC prestation, c'est un PC Windows tellement renforcé qu'en fait je n'ai pas de réseau perso si je suis pas connecté. Enfin, j'ai pas de réseau tout court si je suis pas connecté au VPN de l'entreprise. Voilà, j'ai rien qui marche. Mais le PC, le PC OnePoint, je l'ai pris sous Ubuntu directement. J'avais déjà mon PC Accenture sur Ubuntu. Alors j'étais sur 20.04 sur le PC Accenture, je suis passé en 22.04 sur le PC, et ben je trouve que le 22.04 fonctionne encore moins bien que le 20.04. C'est incroyable. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec sur la gestion du multi-écran, etc., que j'avais réussi à ne pas avoir sur le Ubuntu 20.04, et sur le 22, c'était moins stable. Bon, ceci dit, donc du coup, j'ai toujours pas... Et ben voilà. Il peut pas me le dire. Ah. Ok. Je sais pas si c'est un bon plan de faire ça. Oh là là. Ok. Ah, il y a quand même des sacrées lenteurs. Hein. Et même je trouve, enfin tu vois, pour on peut après tout c'est vendredi, hein, on peut se lâcher, mais la gestion du multi-écran sur GNOME, je trouve que c'est une catastrophe. J'ai un collègue, la première chose qu'il a fait, c'est d'installer Cinnamon, et là on n'a plus de problème. Et enfin, lui il a plus de problème. Moi j'ai pas voulu le faire parce que j'avais un peu peur que si je bidouillais un peu trop là, notamment sur le PC Accenture, j'avais un peu peur de flinguer la conformité. Manifestement non. Mais comme j'ai rendu le PC depuis, puisque je me suis barré d'Accenture. Du coup. D'accord, bon, ça va. Ça va, ça va. Mais du coup. Non, c'est... Oui. GUI already running, opening this window and exiting. Il se fout de ma gueule. What? Alors, l'interface démarre pas, mais il me dit qu'elle est démarrée. Alors, je pensais que ça allait se passer tout calme hein, ce soir, comme d'habitude, parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'on tombe sur des demi-échecs. Qu'est-ce qui manque encore ? Ok. Mais c'est tout. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est fait? Tac, tac, tac. Python 3, GRPC IO version.
D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est ça, c'est qu'en plus ça flingue un... Bon, alors, mais on a un gRPC.io qui traîne sur le... Ok. D'accord. Y a pas un snap bah non, pas encore. Après, étant donné la nature du logiciel qui est d'aller s'interfacer avec le noyau directement pour aller contrôler ce qui rentre et ce qui sort, je suis pas sûr que le concept de paquet snap ait un intérêt particulier. Ceci dit, je comprends la blague, on est vendredi, il le fallait, hein. Je suis d'accord. Alors, hop. Déjà, parce que ça manque. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Le truc il se charge pas et il bouffe un CPU. Ok, voilà. Hop, 6018. Ok. -gRPC.io, si je fais ça, il veut... Ah, d'accord, ok, donc c'est soit j'écrase la version de gRPC, ok, d'accord, donc on va tout péter. Ok, je comprends mieux pourquoi c'est pas encore packagé comme il faut, hein, puisque il y a quand même des choses qui vont pas bien dans cette histoire. Donc... Oui, non, pardon, c'est là... On va faire ça, YOLO. Non, alors attends. Qu'est-ce que j'avais, punaise. Ah. Ça va être violent. Tac 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 tac, voilà. Donc là, faut comprendre que ce qu'on fait là, c'est quand même pas quelque chose de très propre. Hein. C'est-à-dire que Python 3 gRPC IO est déjà installé sur le système, donc avec sa propre version. J'ai pas trop fait gaffe en 1.30. Manifestement, c'est un truc qui fonctionne pas pour l'interface qu'on a installée. Donc on veut installer une version plus récente. Et on l'installe par-dessus. Alors ça va qu'il n'y a pas de dépendance supplémentaire, mais on n'est vraiment pas à l'abri de surprises si jamais d'autres packages Python essayent de bosser avec. En tout cas ceux qui viennent de la distribution, parce qu'en fait ils s'attendent à avoir une version 1.30 et pas une version 1.44. Et du coup il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité avec. Bon. Au nom de Dieu. Alors il a avancé mais j'ai toujours pas l'interface. Sérieux hein? Si! Ok, alors, donc on voit. Ça y est, ça commence. Ça commence, ça déconne plus. Ok, on a l'icône. Donc là, vous voyez, on a Avei Démon qui essaye de se connecter à FF02. FF02, c'est quoi ça? C'est FF80 les IP locales. Hop. Non, c'est FE80 donc. Donc j'ai un Avei Démon. Avei Démon, c'est quoi ça? C'est pour le 0conf, non? Je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, que je m'en suis pas préoccupé celui-là. Je me souviens plus.
Ouais, c'est ça. C'est pour le zéro conf. Ok, d'accord. Donc là, vous voyez, il a demandé l'autorisation, c'est une connexion sortante, hein. C'est-à-dire que le démon essaye d'envoyer un truc sur une adresse IP qui s'appelle FF02. Donc, je veux voir à quoi ça ressemble, ça. C'est le multicast, d'accord, ok, oui, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il envoie à toute la planète du réseau local. C'est une IP spécialisée. Pour dire je veux envoyer à tout le réseau et donc en gros c'est soit on autorise soit on bloque vous savez quoi, on va refuser, tiens, pour la blague, il a pas besoin d'aller dialoguer en fait. Ce truc là il pourrait même carrément être putain, mais là il continue quoi, sérieux. Je dis refuser jusqu'au redémarrage. Ça va. Du coup, est-ce que je fais ça? Il n'y a pas de règles préétablies pour même ces trucs-là. Non mais machin, définitivement autorisé. Là, on a système D qui essaye de résoudre. Ah ouais, non, là, ça va être violent. Ok, mais alors du coup, si je fais. Oh là 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 là. Ok. Ah là là. Ouais, alors tu vois, par exemple, au tout début, donc avant que tu arrives, je parlais de zone alarme. C'est typiquement le comportement qu'on avait avec zone alarme quand on venait de l'installer sur un Windows 98 et qu'on commençait à voir passer le bruit et où il n'avait aucune règle préétablie et où il posait la question au fur et à mesure qu'il découvrait tous les programmes. Et là, on se retrouve avec le même truc, quoi. Ah, d'accord. Je vois que t'es suffisamment... Ok. Je suis pas le seul à avoir vécu, c'est bien. Et donc ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu violent quand même. Alors du coup, on a quoi, statistiques? Donc là, on voit qu'on a bloqué des trucs. C'est quoi ça? Ah oui, bah du coup, il a refusé. Vu qu'on n'a pas répondu tout de suite, il a refusé le... Il a refusé la connexion vers Connectivity Check Ubuntu.com. Ok, d'accord. Parfait, parfait, parfait. Et donc du coup, il n'y a pas de règles. Moi, ça me fout les boules, hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait des règles prédéfinies embarqué dans l'application et en fait il n'y en a pas, donc c'est un peu chaud, hein. Alors je sais pas si du coup alors non, pas de bol, le 1.1.1 c'est pas Google, c'est Cloudflare, mais c'est pas grave, on t'en voudra pas trop. Ouais, alors bah, comme d'habitude, comme on n'est pas sur une installation graphique, c'est pas évident. Alors en ligne de commande, tu pourrais éventuellement inclure un script dans le package pour poser la question de la même façon qu'il va poser la question quand il modifie des confs ou des trucs comme ça. Ou effectivement, tu as des packages genre postfix quand tu les installes qui vont te proposer un mode de configuration par défaut.
Pardon, désolé, j'ai la musique qui passe. Je suis content d'avoir changé la musique. Donc oui, ce que je disais, effectivement, dans une install en ligne de commande, c'est relativement simple. Si on voulait intégrer ça, parce que je réfléchis au fait que c'est une application qui est conçue pour des interfaces graphiques, enfin, idéalement pour avoir un fonctionnement en tant qu'interface graphique, ça me... Et du coup, je réfléchis au fait que, idéalement, c'est le genre de choses qu'il faudrait pouvoir installer via la Logitech Ubuntu. Sauf que... Oh, l'angoisse. Non, mais il doit y avoir... C'est pas possible. On va retourner voir le wiki. Je... Il manque un truc, là. C'est pas possible. BPF Compatibility with Custom and Hardened Kernels. Oui, alors non, ça non. On n'a pas un truc genre rule set. Je peux pas, on peut pas avoir un truc accès de wildcard for NF table, non. Hello traffic notification. Ouh, pardon. Est-ce que quelqu'un a... des problèmes avec WireGuard, donc on voit que c'est pas encore complètement réglé hein, comme histoire hein. ça peut poser quelques soucis. Bon, ça va être dans le wiki potentiellement. Oula. Ok. Ah, donc on voit qu'a priori il sera packagé directement dans les distributions. Donc sur Ubuntu 24.04, c'est potentiellement plus facile à installer. Alors c'est pas pour ça que ce sera plus facile à utiliser, parce que dis donc... Là on parle de Raspberry Pi, enfin peut-être pas déconner... Ah oui, d'accord, on pourrait... Ok, bon, ça c'est pété, c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Alors, apparemment, on peut... On peut faire ça, comme ça, Ok, d'accord. Et donc du coup, là, si on veut lancer une autre application... Ok, qu'est-ce que je peux lancer? Qu'est-ce qu'on a comme application qui est susceptible de faire un peu de réseau là-dedans? Hop. Oh.
Tac, tac, tac. On a quoi? Pilote additionnel, non. Donc c'est quoi ça? Logiciel et mise à jour, non. Oh. Ok. Oula, bon. Mes doigts. Tiens donc. Mais pourquoi il bloque? Ok, bon bah au moins ça marche là. On a changé la règle et du coup, ok. Snap, il a aussi, d'accord, il a aussi gueulé sur là-dessus. Donc le bordel, il a gueulé là, d'accord. Ok, ok. Alors, c'est marrant parce que le donc là en fait il me dit mise à jour et là on a que les paquets de snap en fait hein, à jour. Mais c'est la règle APT que j'ai autorisée donc c'est quand même assez dingue. Qu'est-ce qu'il nous dit? Connection DB, ok, oui, bon, c'est pas grave. C'est rigolo. Ok, bon, bah voilà. Mais c'est quand même pas... Alors, on a quoi? Ah, on a des règles temporaires, d'accord. Ah oui, donc là, on peut dire... Ouais, mais ça, c'est tempo... Comment on peut... Est-ce qu'il nous dit... Hop, ouais, et ensuite... Remember to change it back to deny. Oh oui, non, mais à un moment donné... Ok, you could click on each rule and then click on the... D'accord, or you can click on all, right click to modify duration. The list may take up to... Ok, to show the update. If you modify the action, the name of it may not change. D'accord, ouais, c'est pas grave. Once you know which are common process, IP and host, you can start creating permanent rules. Oh là 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 là. Oh la vache. Ah oui, donc ça... On a quand même encore... ça manque d'ergonomie, hein. Ça manque quand même d'ergonomie. Ça fait des trucs directs dans Netfilter. Oh bah certainement oui, parce que... Si on... Alors on peut regarder... si on veut regarder, on a quoi l'autre onglet. Alors non, donc ça va être NF table du coup. Je crois. Quoi? Le problème, c'est que NFT, je l'ai jamais utilisé, moi. Mmh.
Comment on affiche un truc? NFT, liste ou set, ok, merci. Hop. Alors là, on a du filter. Ouais, mais on est en policy accept, hein. Donc je suis pas sûr que. Ah, alors après, on a un mangle, mais avec un output. Non, là-dedans, ça aussi, c'est par défaut, c'est. Ça te paraît bon? D'accord. Après, on est tout en accept, hein, donc c'est qu'il n'y a pas de blocage. Donc ça se fait vraiment au niveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est-à-dire que. En fait, c'est. De ce que j'ai compris, c'est via eBPF, ça capture vraiment le. L'activité du process et ça bloque l'activité tant que tu n'autorises pas le. L'application à passer. Hein. Mais moi, ça me fait peur, en fait, qu'ils se. Comment? Ils impliquent, qu'ils incluent pas quelques petites. Je. Franchement. Ouais, ok. Donc on a des règles qui sont créées. Donc en l'occurrence, on est dans cela. Nos règles sont dans ETC OpenSnitch. Donc au bon endroit, ça me va. Mais du coup. Du coup. Les deny rules, text precedence, over the rest. Oui, bah ça. C'est quand même le but du jeu. Ensuite. D'accord, mais on peut quand même appliquer quelques règles. Quelques règles à la main si on a besoin. Moi ce qui m'emmerde, c'est que ces trucs-là. Si je reprends mon test, parce qu'au départ je voulais faire du curl. Hop, et donc là il a appliqué la ligne de commande, d'accord, donc au binaire curl. Et du coup, si je fais ça, bon, il dit rien de plus, hein, ok. Mais bon, en tout cas ça marche, mais bon, on est encore loin de d'un truc. User friendly, je vais le dire comme ça, j'ai pas de terme français équivalent. En termes d'ergonomie, globalement ça va, et on n'a pas. Honnêtement, si on le laisse pas tout passer par défaut. Par contre, ce qui m'emmerde là, c'est que voilà, par exemple, là les règles elles sont temporaires, donc quand on redémarre le PC, les règles elles sautent, et on peut pas juste dire clic. Si je fais dupliquer, ça reste du temporaire. Donc ça m'intéresse pas. D'ailleurs, il me l'a mis où? Clone. Ok, elle est là. Hop. Si on veut garder la règle une fois qu'elle a été activée, on peut pas juste, genre, soit la prendre, la glisser dans permanent, ou faire un clic droit, rendre permanent, par exemple. Donc on n'y est pas encore. Hein. On n'y est vraiment pas encore. Hein. Enfin, on n'y est pas encore. Honnêtement, par rapport à ce que je m'attendais au début, c'est bien plus utilisable, mais vous voyez, typiquement, Ubuntu 22.04, c'est pas si vieux, et pourtant, on a été obligé de bidouiller un paquet pour l'interface graphique, parce que sinon, elle marche pas. En écrasant les fichiers d'un paquet qui est installé par le système, en tant que dépendance du paquet OpenSnitch, en plus, c'est quand même ça qui est ouf, hein, c'est qu'en fait, il faudrait soit on s'amuse à installer le paquet sans tenir compte des dépendances, et auquel cas on va manquer plein de trucs, parce que quand on l'avait installé tout à l'heure, si je reviens sur raté,
Si je reviens sur le terminal, alors je sais plus lequel du coup, mais parce que j'ai tellement, on a tellement bidouillé. Non, ça c'est moi, donc ça va être là. Par ici, je crois que c'est là, non? Non, ça c'est quoi? J'ai fait quoi? Ça c'est quand j'ai installé Python 3 pip, d'accord. Ah, j'avais déjà fermé la console, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai installé Qt Material, d'accord. Ensuite, il fallait installer pip. D'accord, bon, bref. Mais en gros, voilà, c'est, on est quand même sur quelque chose. Donc a priori, ça va être facilité avec Ubuntu 24.04. J'exclus pas de revenir dessus vite fait pour voir si ça, l'installation s'est améliorée ou pas. Ce qui me choquerait pas, parce que sur Ubuntu 24, tous les paquets sont plus récents, donc les problèmes seront certainement réglés et on n'aura plus de problème. Mais bon. Avant d'appeler ça Godtier, bon. On n'est pas là, quoi. Il manque encore quand même des trucs assez. Assez simples. Ouais, j'avoue que. Bon. On est quand même pas encore sur un truc. Puis alors vous voyez, hein, tout à l'heure j'ai sélectionné thème sombre et puis bah là le thème qu'on a, il est pas sombre. Bon, ça c'est un problème, c'est pas lié à l'application. Ça pour le coup, on est sur quelque chose de historique et même moi je me suis battu, enfin je me bats encore même maintenant. Typiquement dernièrement j'ai un problème là sur mon laptop perso avec VLC. Le thème de VLC a sauté. Et du coup, je me retrouve avec une interface de VLC qui est cassée. Où j'ai plein de trucs qui s'affichent plus, les couleurs sont plus bonnes, etc. Parce que le thème que j'avais installé à une époque pour les applications Qt, pour essayer que ça ressemble un peu à ce que j'ai avec le thème GTK de Cinnamon, et ben ça marche plus. Et ça, c'est un problème historique qui n'a jamais été résolu sous Linux. Et c'est chiant, tout simplement. Hop là, je suis désolé, hein, faut que je picole un peu. J'ai quasiment pas bu de la journée en plus, le boulet. Donc ouais, donc ça manque, ça avance bien. Ça avance bien, ça marche, c'est ce qu'on voulait. Par contre, bah en termes d'ergonomie, pour moi, il manque vraiment deux gros trucs. C'est-à-dire, premièrement, bah tout simplement une liste de règles par défaut. Qui va pas bloquer les trucs les plus évidents, comme un Firefox, comme... Alors, à la limite, bloquer des trucs en ligne de commande. Par exemple, vous voyez, on a bloqué on bloque le magasin de mise à jour de Ubuntu. C'est quand même complètement con. Donc, du coup, j'imagine que ça va être la même chose sur un Fedora ou un truc comme ça. On bloque Firefox. On bloque Network Manager pour qu'il puisse faire son travail de vérifier si il est capable. Alors, ça, je peux en partie comprendre. Le truc de Connectivity Check, ça sert principalement pour détecter les portails captifs en Wi-Fi. Quand vous êtes sur des bornes Wi-Fi, sur des connexions Wi-Fi publiques, qui vous demande de remplir ou de valider un formulaire ou un truc comme ça, ce type de connectivity check va vous le détecter automatiquement et vous prévenir, soit en vous ouvrant directement l'onglet du navigateur. C'est-à-dire, en gros, ce que fait Windows, hein, ce qui se passe sous Windows quand vous vous connectez à un Wi-Fi comme ça, hop, vous êtes renvoyé vers le portail, ce qu'on appelle le portail captif, pour accepter que vous allez être enregistré parce que... les lois françaises imposent aux fournisseurs de Wi-Fi public de vous pister. Donc ça, on n'a pas trop le choix, et donc du coup, c'est con de le bloquer par défaut, parce que ça fait partie du fonctionnement de base d'une distribution.
Donc voilà, il y a ça, il y a le fait qu'on puisse pas, si on veut se mettre en mode moniteur et qu'on veut avoir des règles, qu'on crée des règles automatiquement et qu'on les valide, enfin qu'on veut les valider, il faut les recréer à la main. Non, c'est à pitié, pitié, il faut que ça change. Donc après, je ne sais pas si... Donc la doc hein, donne toutes les infos hein, pour y a même apparemment des blocklists qui existent pour faire directement le... Le blocage à bas niveau, si vous voulez pas utiliser un outil dans les navigateurs, on pense tout de suite à uBlock Origin, mais... mais bon, voilà, c'est quand même pas... Pardon, je suis désolé, mais... Comment ça se faire tard. Donc ils sont capables de fournir des listes de tracking, machin, pour pouvoir utiliser dans l'interface de blocage. Mais par contre, non, hein, pour avoir une liste d'autorisation par défaut, ça, manifestement, ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être au programme, qu'est-ce que je regarde? Non, j'ai pas l'impression. Alors après, manifestement, il y a plusieurs méthodes de vérification, je ne sais pas si... Bon. Voilà, en tout cas, donc voilà, ça utilise le BPF par défaut, parfait, c'est exactement ce que je voulais savoir. Il y a le truc des thèmes, alors une fois qu'on a les thèmes, il faut installer le package, et une fois qu'on a le package... D'accord, donc a priori il y en a une préférence. Interface, thème, système, d'accord, et là on a du... Ok, mais ça pouvait pas être... Donc on va faire un dark... On a quoi? Dark pink, purple, light green, cyan, blue. Dark blue, d'accord. Oui, bah ça colle avec les thèmes matériels en fait, ça, oui. Dark Yellow, ça meurt Yellow, d'accord, ok. Oula, oh, c'est moche. Et vous voyez, ça c'est pas parfait, hein. Oui, bah vas-y, on va redémarrer l'interface, c'est pas grave. Allez hop. Bon, et ben voilà. Non, je suis content parce qu'au moins c'est pas un échec. Je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine pour. Ok, donc là on a hop, les règles, l'application, machin, etc. On voit les règles en permanent, en temporaire. Ok, ok, ok. Bon, ça commence déjà à être. Et après on a les événements, mais comme j'ai redémarré l'interface, on les voit plus. Par contre, je suis un petit peu surpris là. Pourquoi il me paramètre filaire? Pourquoi on a une icône J'ai une icône avec un point d'interrogation. Pas de VPN, connecté gigabit, oui, ça c'est normal. Ouf. Vous avez vu les événements qui ont popé derrière hein, quand j'ai commencé à cliquer sur la fenêtre? Ça c'est quelque chose, hein. Rendre accessible, ok, connexion avec quota, non, limiter les données, DNS, machin, identité, IP. Sécurité, il n'y en a pas, c'est normal. Ok. Blablabla. Voilà. Il a testé tout ça. Ok, bon. Eh ben ma foi, c'est pas mal. Puis on va s'arrêter là. Je me le garder quand même dans un coin pour voir si l'installation fait des progrès. Est-ce que au niveau, alors, on va peut-être regarder, peut-être que dans l'issue, il n'y a pas un truc. Qu'est-ce que j'ai? Et merci pour le follow. Incroyable, la notification.
J'en ai chié pour l'avoir, celle-là. Je vous jure que c'était vraiment pas évident à faire marcher. Donc ça va être quoi? C'est quoi? Si on met un permanent from temporary, ça va marcher, ça? Pour voir des fois que... Donc là, on a c'est quoi? Default. Donc ça, c'était au 1er janvier. Donc là, il demande de créer des groupes de règles, d'accord, pourquoi pas. En tout cas, je me le garde dans... Enfin, vraiment, pour le coup, ça va dans le bon sens. C'est, on n'est pas encore dans le... Mais ça marche bien, et ça va dans le bon sens, ce qu'on a vu, hein, parce que même pour un truc qui était bloqué par défaut, qui s'est retrouvé bloqué par défaut, parce qu'on était en mode bloqué par défaut, et que j'avais pas cliqué, quand je l'ai débloqué, c'était quasiment instantané que l'installation d'APT a repris et ça a fonctionné direct dans la foulée. Donc honnêtement, ça réagit vraiment bien. Après, on n'a pas fait plus de profilage que ça sur la partie CPU, mais comme on est dans une machine virtuelle jetable, bon, ça c'est... Voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, je cherchais du coup... Ok, change rule, donc ça, ça date de 2020, c'est bon. Transmission GTK, does not properly bind to VPN interface. Bon, ça, c'est encore autre chose. Là, on a quoi? No rules shown in UI. Donc ça, c'est un problème qui a été réglé, je pense. Je sais pas si on peut... Si on tag feature. Alors, je vais enlever le... Dans tout ce que les gens demandent, on a quoi? Zoom option sur lui. Bon, on va pas non plus en demander trop. Ensuite, on a quoi? Rules not apply to new nodes when they are not connected to the GUI. Donc, a priori, on est capable de... On est capable de se connecter à plusieurs PC avec la même, interface. Mais bon, j'ai du mal à voir le concept. Ensuite, on a quoi? Monitoring traffic inside network namespace. Oh, ça, c'est encore autre chose. Announcement sur le système des service files. Bah, c'est ce qu'on a. Windows agent, foreigné. macOS agent, non. interface en incursive. Alors ça, j'avoue que si on voulait le coller sur un serveur... Le fait d'avoir une interface en mode texte, ça pourrait être intéressant, effectivement. Alors là, il y a des UI, ok. Ensuite, on a quoi? Tac, tac, tac. Display bytes and receive par process. Ah, ouais. Ok. Add rule. Ouais, je vois pas trop pourquoi. Le world map. Ah. Donc ça, le world map, c'est ce que... Voilà, c'est la réplication de ce qu'on a vu tout à l'heure en capture d'écran sur le site de Little Snitch. Et donc oui, évidemment, lui, désolé, mais non. Bon, ça ne me surprendait pas. Ensuite, ok, option to update the UI every X seconds, d'accord, change time zone, log allowance to file, non. Events tab, rules tab, short rule name, d'accord, group by rejected, ouais. Hide rules or better layout when there are lots of rules, d'accord. Time rule was last used. Oh, ça c'est intéressant aussi ça. Si les développeurs veulent machin, let me know. Rule tab for rule tab, the order by alpha can be a bit of a hassle, imagine. Ok. Ouais, d'accord, ok. Ok, mais bon, pour l'instant, il s'est arrêté là-dessus. Ok, bon, bah, je... J'aurais peut-être une suggestion à faire sur le fait de... Allez, on va rajouter notre petit truc.
Hop. Allez. Je vais arrêter de parler un petit peu, mais... Et je suis en train d'écrire en anglais, donc j'espère que tout le monde comprend de ce que j'ai compris. Les gens présents n'ont pas trop de problèmes avec l'anglais, mais voilà, j'essaye de... Hop, allez, donc... On va faire ça, clac, clac, clac. Voilà, crac, on va voir s'il répond. Bon, ça répondra pas là dans les minutes qui viennent, hein, donc on va s'arrêter là. Du coup, planning. Bon, comme d'habitude, parce que là, je vais avoir le temps de le faire. Ah, c'est ouais, j'avoue que le week-end prochain, ça va être costaud. Le week-end prochain, faut que je prépare des trucs avant. Sinon, j'aurai pas le temps. Je pars samedi matin. Donc le replay de ce soir sur YouTube. Alors demain, mon problème c'est que YouTube en ce moment j'arrive pas à uploader à plus de 5 mégabits seconde, ce qui fait que je upload une vidéo, ça me prend plus de temps que de regarder la vidéo elle-même. C'est-à-dire que... Voilà, je... Google. Et en plus, c'est vraiment c'est 5 mégabits seconde constant, hein, donc c'est pas un problème de saturation avec Orange ou quoi que ce soit, c'est vraiment 5 mégabits seconde, je peux pas faire plus. Je sais pas pourquoi. Ça mettra le temps que ça mettra. Genre le week-end dernier, par exemple, la vidéo elle a été publiée dimanche matin parce que je m'y suis pris déjà tard dans l'après-midi et le temps que ça se... Je prends le temps d'upload et après je laisse le temps de process pour avoir toutes les résolutions, comme ça les gens peuvent regarder directement dans la meilleure qualité que je peux proposer actuellement. J'ai pas encore retravaillé sur l'enregistrement d'OBS. Mais en ce moment, vu les problèmes de stabilité que j'ai avec depuis qu'il m'a fait l'écrasement du driver, j'ai des problèmes des petits soucis de stabilité avec. Là on a vu hein, le truc qui m'a freeze deux fois dans la gueule là depuis le début du live. Le deuxième freeze, j'ai perdu l'aperçu des vidéos dans OBS. Donc. Sinon, vendredi prochain, j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis parce que mon installation actuelle de MariaDB dans mon cluster 4S à la maison me plaît pas. J'ai l'occasion de revoir la conférence des pirates de chez Enix sur les opérateurs de bases de données dans Kubernetes, qui était très intéressant. J'ai envie de refaire mon installation de MariaDB. Alors il y aura toujours du nouveau nœud, mais l'idée c'est de passer par le MariaDB Operator. Parce que bon, gérer les manifestes à la main et faire moi-même les MySQL dumps, etc. Alors que ça peut être géré via l'opérateur. Voilà, je trouvais que c'était intéressant pour déjà pour faire découvrir les opérateurs aux gens qui sont pas forcément familiers de ce concept-là qui commence dans Kubernetes. Et on va prendre l'exemple de MariaDB pour commencer à bosser. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ont déjà installé des opérateurs sans s'en rendre compte, hein. Je pense notamment à Prometheus, quand vous installez la stack Prometheus. Bah, il y a un opérateur dedans. Il y a un opérateur dedans qui est là pour piloter énormément de choses. Et on le voit pas forcément, on n'en a pas forcément conscience. Et là, l'idée, c'est d'utiliser un opérateur pour MariaDB, pour gérer la base de données, pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et puis on verra comment migrer les bases de données aussi, du coup, hein, comme je prévois aussi un usage beaucoup plus varié de bases de données sur mon cluster pour différentes applications,
Il n'y aura pas que du MariaDB, donc ça va être l'occasion de revoir l'installation au propre. Et donc on s'amusera avec ça. Voilà, voilà. Et puis après, bah, je vais 2 semaines en vacances, donc du coup, si on prend un calendrier, alors évidemment, il va être caché. Est-ce que je peux... J'ai pas un truc plus... J'ai pas un mètre de confinement. Ok, bon. Hop là, on va faire ça. Alors ça c'est la deuxième partie, ça m'intéresse pas. Janvier, février, voilà. Donc vendredi prochain, on sera le 26. On sera le 26, donc ça c'est bon. Du coup, on a déjà le programme. Et donc après, le 3, je suis pas là. Et le 10, je suis pas là non plus. Donc on se retrouvera que le 17 mai. Et il n'y aura pas trop le choix parce que je ne serai pas chez moi et du coup je ne serai pas équipé pour je serai pas équipé pour stream. Donc sauf à vouloir faire les sauf à vouloir faire les bourrins et à tenter de stream avec le vieux laptop de 2015, mais ça risque de très mal se passer. Donc j'ai pas spécialement envie de risquer le diable. Mais voilà, j'ai pas fait de vraie pause depuis Noël, donc il est temps que je me repose un petit peu. Non, c'est surtout qu'en fait j'ai depuis Noël, j'ai pas non plus vu ma frangine et surtout ma filleule, donc voilà, ça va être l'occasion de revoir un peu la petite famille. Du coup, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'ai, comme toujours, hein, j'ai une liste longue comme le bras. On a fait un épisode dédié à tout ce que j'ai envie de faire sur le Cluster Cube. On a vu une partie déjà avec Loki où ça s'est pas complètement bien passé. Et il faudra qu'on revienne dessus pour que je... Enfin, non, je vais pas. J'ai pas envie de vous réimposer 2 heures de recherche où je trouve pas. Je vais essayer de me repencher dans mon coin sur le sujet pour comprendre pourquoi j'ai pas réussi à configurer Loki pour qu'il stocke dans Minayo. Et une fois que j'aurai trouvé et que l'installation sera définitive, on pourra continuer d'avancer aussi sur d'autres sujets. Le prochain étant le monitoring. Parce qu'il va bien falloir aussi qu'à un moment donné, je me retrouve avec quelque chose qui me permette de dire quand ça va pas bien dans le cluster. Et ou alors, il y a aussi un autre sujet qui est qu'il va falloir qu'on s'occupe de migrer les volumes. Parce qu'en fait, j'ai quasiment fini mon NAS, là. Enfin, mon NAS, il est définitivement en service pour la partie multimédia. Et la seule chose qui reste... Alors, il y a deux choses qui restent. Il y a le vieux Minayo dans lequel il faut que je récupère des TF state de certains projets Terraform que j'ai dedans. Et ensuite, il va me rester les volumes Kubernetes qui sont aussi sur l'ancien NAS. Et donc, on a de la migration de données à faire. Et je me demande si je le ferai pas en live histoire de voir comment on peut procéder étant donné l'architecture que j'ai. Donc, voilà, ça ce sera au retour de vacances. Je sais pas dans quel ordre. Mais ça devrait... Seems good. Ouais, bah en vrai, c'est... Il y a pas mal de trucs à voir. Merci pour le live. Bah, merci d'avoir participé. C'était très sympa. Au plaisir de te revoir là ou les prochaines fois, en fonction de ce qu'il y a. En tout cas, voilà, je vous laisse là.
Bonne fin de soirée, bonne nuit. Hein, moi c'est pareil. Au final, je pense que je voulais me faire un ou deux trucs après, mais là je pense que je vais aller me coucher. Ce sera pas plus mal. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'opérateur MariaDB sur Kubernetes. Et après une bonne pause de 2 semaines pour moi, mais du coup de 3 semaines de live, hein, parce que comme on fait que le vendredi pour l'instant, y aura tout ça. Et sinon, bah, passez un bon week-end, bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont déjà dedans. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé. Et comment ? Et à la prochaine sur Internet. Ciao, ciao. Et voilà. Relaxing at a two-cup spot.